Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chou, j'espère que vous allez super bien. Vous me l'avez demandé, c'est bien beau de savoir quel est le meilleur starter pour faire votre aventure, mais savoir quels seraient les meilleurs Pokémon pour accompagner votre starter, c'est encore mieux. Aujourd'hui, je vous propose de voir quels seraient les meilleurs Pokémon à avoir dans votre équipe pour votre aventure à Septentria dans le DLC d'Écarlate et Violet, le masque turquoise. L'équipe que je vais vous proposer est subjective. Il s'agit de mon analyse personnelle sur le jeu. Pour débuter notre aventure, nous allons commencer par le starter eau. Ayant déjà fait une vidéo explicative sur les raisons de pourquoi privilégier ce starter plutôt que les deux autres, je ne m'attarderai pas sur les détails. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Elle est en description et en fiche épinglée juste là-haut. Le deuxième Pokémon de votre équipe sera un sécateur. Vous trouverez facilement un insécateur au lac Astrol, à la zone nord numéro 2, la zone sud numéro 4, ainsi qu'à la zone sud numéro 6. Puis rendez-vous au nord de l'Evalandura à la boutique Réseau Cadoiseau. Vous pourrez acheter l'objet de combat Pométal à seulement 3000 Pokédollars. La dernière étape, et pas des moindres, consiste à faire un échange soit avec un ami, soit si vous n'avez pas d'amis comme moi, un échange en ligne en utilisant un code spécial qui a été mis en place par les joueurs pour se simplifier la life, 0260 0260. Veillez bien à regarder le résumé de l'insécateur de l'autre joueur et qu'il tienne une peau métal également, ou sinon vous pourrez trouver de temps à autre dans certains raids Terra Crystal 5 et 6 étoiles directement le Cizaiox. Il sera parfait pour battre les Adorami qui ne craindra presque aucune de leurs attaques, mais également vous permettra de les capturer ainsi qu'Ogerpon et Ursa King Lune de Sang plus simplement grâce à l'attaque Fauchage. Attention tout de même à Favianos qui possède l'attaque atterrissage. Ça sera le plus relou à attraper. Votre Cizaiox pourra également vous être très utile en combat contre Cassis, qui possédera un Tangalis, ainsi qu'un Pomme d'Amour, qui craignent tous les deux des attaques insectes. Il vous sera également très utile pour battre la moitié de l'équipe de Roseille. Le troisième Pokémon de votre équipe sera Frigodo. Je vous avais déjà conseillé le puissant Glévodo pour faire l'aventure principale. Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, je vous invite à aller la regarder après celle-là. Et une nouvelle fois, il vous sera d'une grande aide dans le DLC. Son type Dragon Glace vous avantagera à de nombreuses reprises contre les différents dresseurs que compose Septentria. Et notamment vous sera d'une grande utilité pour battre Cassis en quelques secondes, ainsi que sa sœur Roseille. Leurs équipes possèdent énormément de fois la faiblesse glace, ce qui vous donnera un avantage certain. Le quatrième Pokémon de votre équipe sera Poltchageist. De type plante et spectre, lui et son évolution sont les très célèbres espèces convergentes de Tefroi et Poltegeist de la 8ème génération. Poltchageist évolue en Tefroyable en lui donnant un bol médiocre ou un bol exceptionnel. Vous les trouverez dans une grotte à côté du panneau de la lande de la quiétude pour le bol médiocre, dans une grotte gardée par un ronflex au sud de la forêt éternelle pour le bol exceptionnel, ou en tant que prix aléatoire après une partie de chasse aux monstres. Effroyable vous sera très utile pour battre le Tartare et le Tarinorme de Cassis, mais également vous permettra de capturer plus simplement Ursa King sans qu'il puisse vous faire grand chose. Son bulk lui permettra de survivre à sa lune rouge et vous pourrez lui infliger des bons dégâts. Le cinquième Pokémon de votre équipe sera Axolotl de Paldea. Lui aussi conseillé dans ma première vidéo sur la meilleure équipe à faire dans le mode histoire, son type poison et sol ainsi que son bulk orienté sur le spécial vous permettra de bien tanker les attaques des Pokémon de Roseille, mais également aura l'avantage contre le Tarinorme de Cassis. Son double type est également intéressant contre les Adorami qui vous immunisera contre le poison grave de leur chaîne toxique, mais également pourra descendre rapidement leur gros PV grâce à l'attaque séisme. Le sixième Pokémon de votre équipe sera Funé, un nouveau Pokémon ajouté par le DLC joint votre équipe. La petite bougie de type feu et spectre de la 5G évolue en Mélancolux au niveau 41, puis en Lugulabre avec une pierre nuit. Cet objet est trouvable à la vente aux enchères de Porto Marinada, ainsi que derrière l'arène de Frigao. Les meilleurs endroits pour trouver un Funessir sont le lac cristallin, le Val Infernal et la forêt éternelle. Vous pourrez également trouver des Mélancolux dans la forêt éternelle. Ce Pokémon vous sera également très utile contre les combats de boss de Felicanis et Fortus, mais aussi vous permettra de détruire les Pokémon plantes de Roseille ainsi que le Tangalis et le Yanmega de Cassis. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Idéal ou réaliste, suivez vos rêves car vous pouvez changer le monde et le rendre meilleur. C'était Geoffrey Chou, prenez bien soin de vous, ciao.